Bienvenue à tous, bonsoir tout le monde, salut à toi Gachagal, salut Maskai, salut Zulu, je ne sais pas qui il y a d'autres, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un très bon week-end. On se retrouve donc ce soir pour le second épisode de Assassin's Creed en format livre audio qui a été réalisé par notre petite Sky ici présente. Donc l'épisode de... le premier épisode était jeudi dernier, bien entendu il y aura des rediffusions hein, pour ceux qui l'auraient loupé. Ce sont des petits livres audio qui retracent principalement la, comment est né en fait le cycle Assassin's Creed. Comment sont nés à partir d'une idée, les personnages, l'environnement et ainsi de suite. C'est vraiment ça qui est mis en valeur hein, dans cette série que nous vous proposons ce soir. Oui, effectivement, oui, ça sera posté un petit peu partout. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. De toute manière, après, vous pourrez toujours les retrouver sur nos, sur les YouTube respectifs de Sky et de moi-même. Donc, il y aura toujours possibilité de les voir ailleurs que sur Twitch. Donc, voilà. Et merci pour le follow. Merci beaucoup Gachagal pour le follow. Et salut à toi Boubastico. J'aime beaucoup ton pseudo. Donc, ces épisodes durent entre... Allez, je vais être assez large. Hein, entre 10 et 20 minutes. Hein, on va essayer d'être assez large. Entre 10 et 20 minutes, ils se composent de différentes parties qui vont se succéder les unes aux autres. Donc là c'est l'épisode 2 et je sais même plus par quoi ça va commencer en fait. Très honnêtement je ne sais plus du tout. Mais je vous invite à rester présent, je vais lancer, je vais me mute hein, bien entendu. Salut à toi Costa. Et oui elle sert à être large mais tout à fait. Mais tout à fait, tout à fait. Ah pas comme, un, pas comme le trou du cul d'un lapin qui s'est fait sodomiser par un éléphant mais quand même. Hein, bien entendu. Donc je vais me mute et lancer l'épisode. Et on se retrouve juste après. Bonne série et bon épisode à tous.
trois perspectives différentes. Dès le premier jeu, les conflits idéologiques forment la toile de fond d'Assassin's Creed. Toutefois, Ubisoft a pris soin de ne jamais brosser un portrait manichéen des événements et n'a pas non plus lié trop clairement les assassins et les templiers aux courants religieux auxquels ils appartiennent historiquement. Les cibles d'Altaïr ne sont pas choisies selon leur alliance séculaire, mais en fonction de leur rôle dans le conflit entre les deux factions. Une question demeurait toutefois. Comment renforcer cette impression auprès des joueurs qui se plongeaient dans cet univers pour la première fois? La solution? Placer le héros dans un univers en monde ouvert et faire en sorte qu'ils doivent infiltrer indifféremment les deux camps. Il faut tuer des Templiers, mais ils peuvent se trouver dans un camp ou dans l'autre, ou même hors du conflit historique. Après tout, les Templiers ont toujours eu leur propre dessein, explique Jean Guesdon. Pour représenter les nombreuses perspectives historiques et les multiples cultures présentes sur place à l'époque, nous avons décidé que les villes devraient avoir chacune une personnalité propre. Le monde du jeu a été créé via trois villes bien distinctes mais liées entre elles au sein du même royaume. Chacune des villes suivrait une ligne artistique distincte, audacieuse, et montrerait une facette historique différente de cet été 1191. Le graphisme devrait également permettre de s'éloigner de Prince of Persia, pour mieux asseoir l'identité visuelle d'Assassin's Creed. Nous avons été audacieux, se souvient Raphaël Lacoste. Chacune des trois villes avait une palette qui lui était propre et un traitement presque monochrome. C'était le tout début du jeu et nous voulions nous démarquer de Prince of Persia. La configuration des villes est définie par leur place dans la culture et l'histoire de l'époque. Acre avait enduré les assauts des croisés. Pour refléter les ravages subis par la ville, les bâtiments sont représentés en ruines dans des tons de gris et de bleu. Lors de la reconstruction de la ville, on a vu fleurir les églises chrétiennes qui ont ensuite offert de nombreux points d'observation depuis lesquels épier des civils. Acre sortait tout juste d'un conflit énorme et était presque détruit. L'ambiance de la ville est donc assez sombre avec des teintes de bleu et de gris foncé. Dans Acre, on se sent qu'on se trouve dans une ville déchirée et sinistre, décrit Raphaël Lacoste. Damas, à l'inverse, illustre la splendeur et la richesse artistique du monde arabe dans toute sa gloire. De somptueuses mosquées dorées dominent l'horizon. Les marchands vendent leurs soieries à la criée dans des soupes tentaculaires. Les jeunes soutenus de la palette offrent un contraste franc avec des tons bleutés utilisés pour Acre. Damas a un style plus oriental. La ville est opulente avec une architecture très riche, comme avec la grande mosquée des Omeyyades par exemple, raconte-t-il. Damas devait donner une impression unique. C'est une ville pleine de grands marchés, de riades magnifiques, avec une ligne d'horizon découpée par les dômes et les minarets. Jérusalem, enfin, se démarque nettement de Damas et d'Acre. Dans ses ruelles, on retrouve les couleurs vives qui expriment au mieux la rencontre des différentes cultures de la ville. Pour Jérusalem, nous avons opté pour des teintes de jaune, d'orange et de vert pour Sutil. La ville dégage une impression à la fois de richesse matérielle et spirituelle. L'importance religieuse de la ville est considérable. Les sites propres à différentes religions abondent un peu partout. On y découvre, entre autres, le célèbre temple de Salomon, où se trouve l'une de ses pommes d'Éden, qui provoqueront tant de conflits au cours des épisodes suivants de la série. De nombreuses factions convoitent la ville, et Altaïr va devoir assassiner des cibles de chaque camp. Les couleurs et l'architecture de chaque ville ont créé bien plus qu'une diversité visuelle. Elles ont permis de fournir une perspective différente sur le climat régnant lors de la troisième croisade, alors même que les péripéties d'Altaïr s'entremêlent aux faits historiques. Les joueurs peuvent entrevoir divers événements du conflit, mais ces derniers sont transcendés par la guerre entre assassins et templiers. Nous n'abordons pas volontairement les sujets politiques de l'époque. Le complot central du scénario est un sujet déjà bien assez vaste, commente Jean Guesdon. Certains des personnages ont des convictions différentes, mais cela n'a aucun impact sur le scénario du jeu.
reliaient les zones de combat entre elles. Les trois villes ont fourni l'essentiel du décor d'Assassin's Creed. Toutefois, au nom de l'immersion et de l'authenticité, il ne fallait pas que le joueur puisse se contenter de passer de l'une à l'autre, sans jamais voir ce qui les unissait ou sans comprendre pourquoi le héros voyage entre elles. C'est en grande partie le royaume qui permet de cimenter le tout. Nous avons là un vaste paysage de collines et de plaines, un lac de basse altitude et des sentiers de montagnes tortueux. Des ruines antiques, vestiges de civilisations éteintes et de petits villages disséminés ici et là pour indiquer que la vie ne se limite pas aux grandes villes. J'adore cette façon de représenter certaines régions de la Syrie antique et du Moyen-Orient. Nous avons ajouté beaucoup de détails et d'éléments divers pour renforcer l'impression de voyage. Petits villages, oasis, ruines cachées dans les montagnes, explique Raphaël Lacoste. D'un point de vue artistique, le royaume a également permis à l'équipe d'opérer une transition plus souple entre les ambiances et les couleurs particulières de chaque ville. Le paysage sert de lien entre les villes, confirme-t-il. On y a peu de combats, c'est un passage doux et spirituel entre les cités. Toutefois, c'est aussi avec cette première tentative d'environnement ouvert que le premier Assassin's Creed a pu prendre une dimension épique, laquelle n'aurait pas existé autrement. La série ne reviendrait pas à un monde ouvert aussi grand avant Assassin's Creed 3. Le décor du royaume montre comment Altaïr voyage entre les différentes cités. Mais la raison pour laquelle il entreprend ses voyages, c'est Masyaf. La forteresse en elle-même a effectivement existé. C'était l'une des places fortes des assassins en Syrie. La version présentée dans le jeu, quant à elle, est une bâtisse impressionnante. La route de Masyaf est extraordinaire. Graphiquement, c'est très intéressant, commente Raphaël Lacoste. Par exemple, il faut passer sous l'arc triomphal de Palmyre, un monument très célèbre en Syrie. Le jeu ne le place pas dans la bonne région, mais cela permet de créer une transition mémorable pour les joueurs. Il faut ensuite grimper dans les montagnes avant d'arriver dans un petit village dominé par la forteresse. Pour atteindre le repère des assassins depuis le village, vous devez affronter routes enlacées et gorges étroites qui vous mènent à une guérite en bois, puis à une cour remplie d'assassins en plein entraînement. L'antre des assassins donne une impression de force et de durabilité, et le fait qu'il se situe sur une montagne rappelle l'habitude des assassins de se positionner au-dessus de leurs victimes. Masyaf a également établi une règle qui n'a connu que fort peu d'exceptions dans la série. Tout assassin a besoin d'un endroit spectaculaire où se réfugier. Planter le décor. Au cours des années qui suivirent, les équipes de développeurs d'Ubisoft chargées des épisodes suivants de la série sont parties du principe qu'elles pouvaient se servir de l'histoire du monde comme terrain de jeu. Pour le premier opus, toutefois, il a fallu partir de rien. Tout était envisageable, et toutes les périodes de l'histoire pouvaient faire l'objet d'interprétations. À quel point fallait-il rester fidèle à la réalité historique ? Où s'arrête l'histoire et où commence la fiction ? Et du point de vue de la direction artistique, quel sacrifice fallait-il consentir pour garder un équilibre acceptable entre exactitude historique et création artistique? Le premier Assassin's Creed a posé de nouveaux jalons en la matière. Tant que cela était possible, il fallait rester fidèle à la réalité historique et intégrer les événements majeurs de l'histoire, plutôt que de passer outre. Lorsque les données historiques étaient moins documentées, l'équipe se permettait alors quelques libertés. Dès le deuxième opus, les développeurs ont adopté ce qu'ils ont appelé la règle des 30 secondes. Lorsque nous voulions inclure un lieu, un personnage ou un événement dans le jeu, nous faisions une recherche sur Internet. Si nous trouvions des informations sur cet élément, en moins de 30 secondes, nous devions nous y tenir fidèlement, évoque Jean Guesdon. Si l'une des cibles de l'assassin était tuée à une date bien précise et bien connue, il fallait que nous fassions les choses dans les règles.
À l'inverse, si les circonstances de sa mort étaient un rien nébuleuses ou sujettes à interprétation, cela nous donnait une certaine marge de manœuvre. C'est exactement ce qui s'est produit avec Massia. Une rapide recherche sur Internet permet de prouver son existence historique et d'avoir un aperçu de ses murailles imposantes. Pour les détails en revanche, l'équipe avait un peu plus de latitude. Qu'en était-il du village au pied des fortifications ou du paysage alentour? Il a fallu adapter un peu la réalité historique, mais rien que pour cet instant de plaisir pur que l'on ressent en galopant vers le château, cela en valait la peine. À Massiaf, nous avons agrandi le château et surélevé la montagne derrière le village pour créer un décor épique, plus impressionnant, plus émouvant, explique Raphaël Lacoste. Au fur et à mesure de la mise en forme d'Assassin's Creed, Patrice Désilé s'est avéré l'un des moteurs du projet, directeur artistique alors que le jeu n'était qu'à ses prémices. Il a permis de façonner l'intégralité de la franchise. Pour Patrice, Assassin's Creed n'était qu'un simple jeu, se souvient Jean Guizot. Il nous encourageait à envisager Assassin's Creed en tant qu'expérience ludique, pas en tant que jeu vidéo. Patrice Désilé a beaucoup insisté sur l'importance de l'authenticité de l'animus. Les mécanismes de jeu et la présentation visuelle devaient correspondre à ceux d'un ordinateur lecteur d'ADN. Le but étant de ne pas interrompre l'immersion du joueur. Il n'avait pas peur de faire des propositions assez radicales, même si en fin de compte, certaines d'entre elles n'étaient pas retenues, raconte encore Jean Guizot. Bien des fans ont été déçus de le voir quitter Ubisoft en 2010. Mais à ce moment-là, la licence avait pris une telle ampleur qu'elle reposait sur une équipe entière, non plus sur quelques individus. Et le succès du jeu n'était pas prêt de s'arrêter. Quand j'ai rejoint l'équipe d'Assassin's Creed, elle avait déjà une certaine aura, révèle Jean Guizot. C'était un gros boulot. Ce qui m'a vraiment marqué à l'époque, c'est l'humilité des gens de l'équipe. Ils ne se rendaient pas du tout compte du monstre qu'ils étaient en train de créer. Ils fabriquaient quelque chose qui serait plus grand que nous tous réunis. J'étais triste de voir partir Patrice, bien entendu, mais ce qui compte, c'est de garder l'esprit d'équipe. L'identité visuelle de ce premier épisode et le contexte historique sont si captivants que de nombreux fans auraient voulu rester au Moyen-Âge, mais Ubisoft avait d'autres projets. Et voilà donc pour le deuxième épisode de cette série qui était bon assez court certes, mais qui permet quand même d'en apprendre un petit peu plus hein, sur la licence Assassin's Creed. Donc merci à toi Sky, hein, merci à toi, merci beaucoup pour le travail que tu as fait. Oui, bah il était court, oui, il faisait quoi, 10 minutes à peu près, hein, 10-12 minutes. De toute façon c'est les temps hein, c'est entre 10 et 20 minutes hein, les épisodes donc voilà. Le prochain épisode lui c'est le samedi 11 août à 19h, 11 août à 19h. Sinon sur cette chaîne vous allez retrouver à partir de demain, et ça Sky je crois que ça va te plaire, c'est The Witcher 3 Yennefer Story en deux parties, demain et après-demain. Et oui, c'est déjà fini, Nikki, effectivement. Oui, oui, c'était très très rapide, ouais, malheureusement. C'est une série. Donc, oui, Ciné Gaming demain, Yennefer Story. Donc, en gros, hein, c'est The Witcher 3 vu du point de vue de Yennefer. Voilà. Ah, bah oui, faut pas que tu rates ça, effectivement. Faut pas que tu rates. Donc sur cet épisode Assassin's Creed, on a quand même appris pas mal de choses, ne serait-ce que d'un point de vue historique, hein. Chose que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ne loupez pas non plus dimanche, hein, dimanche à 13h, question pour un viewer comme d'habitude, hein, avec toujours les goodies à gagner pour le grand gagnant et des clés Steam pour les finalistes. Hein. Comme d'habitude, ça ne changera jamais. Enfin, sauf pas de bol, mais logiquement, ça ne devrait pas changer. Donc, 11 août, hein, retenez bien la date si cet épisode vous a plu. 11 août à 19h, le troisième épisode. Sachant que cette série se compose de 4-5 épisodes et que la saison 2 est déjà en cours de création. Donc, merci à toi, Boubastico, pour le follow. Merci beaucoup. Autre série, bien sûr, toujours en livre audio à venir.
C'est la saison 2 de The Elder Scrolls. Du lore, hein, enfin du lore de l'histoire, hein, The Elder Scrolls, hein, pour ceux qui sont fans de lore, et ainsi de suite. Vraiment comprendre la géographie, la politique, la géopolitique, l'histoire, hein, des différents empereurs, des différents peuples et autres civilisations. Ce sera donc sur la saison 2 de The Elder Scrolls qui arrivera quand elle arrivera. On n'a pas encore de date définie. Je rappelle qu'en octobre prochain, fin octobre hein, exactement, question pour un viewer QPV, donc spécial animé des années 80 et 90. Donc avec encore bien sûr une fois des choses à gagner, hein, comme d'habitude, et des questions complètement orientées sur ce thème. Je devais avoir Brigitte Lecordier avec moi, je n'ai pas de nouvelles. Donc je pars pour le moment du principe qu'elle ne sera pas disponible. Après, on ne sait jamais. Hein, voilà. Et oui, Niki, t'es arrivé à quoi? Allez, à 40 secondes de la fin. C'est dommage, c'est dommage. Donc je répète, hein, demain et après-demain, INFR Story. Et pour ceux qui aiment l'histoire, hein, notamment je pense à toi, Bobastico, je vais rediffuser bien entendu les conférences sur la romanité. Et je vais essayer d'en trouver d'autres, pas forcément sur Rome, mais sur vraiment un petit peu toute l'histoire. Là, ce sont les Nocturnes du Plan de Rome qui sont faites en collaboration avec le CIREV et Unican et présentées par Philippe Fleury, qui est un latiniste à l'université de Caen. Et ces conférences se décomposent en fait en trois parties. Une partie théorique où ils vont aborder le thème de la soirée. Une partie qui est une visite en 3D de Rome. Hein, concernant le thème toujours abordé. Et la troisième partie, c'est un question-réponse en fait entre le public et les intervenants. Donc les nocturnes du plan de Rome, franchement je te les conseille. Hein, tu peux les trouver aussi sur YouTube. Je te les conseille vraiment. C'est quelque chose si tu n'as jamais vu qui devrait énormément t'intéresser puisque tu aimes beaucoup l'histoire si j'ai bien compris. Donc déjà on est deux. Qu'est-ce que tu vas me réclamer, Sky? Attends, c'est quoi ces 96? Demande à Sky d'imiter. Ah oui, aussi je pourrais, oui, effectivement. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est une bonne idée, ouais. Ah, c'est pas con, je vais demander à Sky de venir en vocal et de faire la voix de oui, et puis de Dragon Ball. Ça peut être rigolo, effectivement, ça peut être rigolo. Oui, mais de toute façon, les épisodes, tu les as déjà. Hein, je te les avais déjà passés. Après, peut-être pas les derniers. Hein, les deux derniers qu'on a fait, ils sont peut-être pas encore faits et tu les as pas encore. Mais les autres, ouais, tu les as. Donc, au pire, tu peux déjà commencer à mettre les premiers, hein, les deux premiers en l'occurrence. Et puis, tu les mets au petit à petit aussi. Alors. Donc comme vous le savez, peut-être ou ne peut-être pas, j'ai passé le week-end sur une fête de village en fait. Hein, c'est un village dans la Drôme, enfin une ville plutôt dans la Drôme, qui pour mettre en avant son passé historique, organise chaque année ce qu'ils appellent les fêtes gallo-romaines. Hein, donc de la Drôme, hein, au pays d'Iwa, puisque ça se passait à Die. Et donc j'ai passé 3 jours en immersion totale là-bas dedans, voilà, au sein de deux groupes de reconstitution historique, la Legdis Gemina, l'association Lorica Romana, et la Legset Iulia, qui est une association, en fait, ça j'admire énormément le travail qu'ils font, parce que c'est un prof de collège qui est venu, hein, enfin qui a monté son association, et les élèves, donc c'est des gamins hein, de 11 ans à 14-15 ans, les gamins, pendant les périodes de vacances, puisqu'on est en plein été, se sont déplacés avec leur prof pour pouvoir être en reconstitution. Donc c'est une très très belle initiative hein, de la part donc de Jérémy André qui est donc le professeur d'histoire au collège de Tourmont-sur-Rhône. Et donc voilà, ces 3 jours-là, j'en ai profité pour prendre un tas de photos, des vidéos et je vais vous faire un petit reportage qui sera également diffusé sur cette chaîne. Alors je ne sais pas encore quand.
Je n'ai pas de date parce que je ne sais pas combien de temps va me prendre le montage exactement. Donc ça peut être soit en fin de mois comme en début de mois prochain. Je parle du mois de septembre quand je dis mois prochain. On verra, on verra. Il y a énormément de données que je dois travailler, donc voilà. Pour ceux qui sont sur Eastord, alors je rappelle Eastord, c'est un salon Discord qui a été fondé par Sky et moi-même, où on va mettre en avant uniquement l'histoire du monde et de l'humanité. Donc là, il n'y a pas de what the fuck, c'est pas des conversations où ça part dans tous les sens. Hein. Ça, pour ça, moi, j'ai Radio Concombre, hein, voilà. Enfin, puis d'autres. Hein. Je suis un grand spécialiste du what the fuck. Et alors, pour trouver donc ce salon qui s'appelle Eastord, il suffit de descendre un petit peu dans les infos de ma chaîne et tu vas avoir un gros logo Discord et en dessous autre salon Discord. Et tu as Eastord et donc Radio Concombre, comme je le mentionnais tout à l'heure. Donc il suffit juste de cliquer sur Eastord pour accéder à ce salon-là. Et donc voilà, on partage en fait nos connaissances, nos savoirs. Il y a des documentaires qui sont à disposition. Il y a également des livres audio. Il y a des ouvrages littéraires, il y a des articles archéologiques qui sont mis à disposition gratuitement et qui permettent vraiment d'approfondir ce côté historique. Donc si vous voulez d'ailleurs plus d'infos sur ce qu'on a vu là durant cet épisode 2, je vous suggère de regarder vraiment ce Eastord dans la partie médiévale. Vous allez certainement trouver deux trois petites choses concernant les croisades et qui devraient vous intéresser. Et, hein, pareil pour ce qui est des documentaires. À savoir que Eastord est ouvert vraiment à tout le monde, c'est-à-dire que Eastord est aussi bien accessible aux simples curieux, est accessible aux amateurs comme Boubastico ou moi-même. Mais également aux historiens, et nous avons déjà quelques historiens parmi nous, dont Jérémy André d'ailleurs, hein, donc je parlais là tout à l'heure, qui est donc professeur au collège de Tourmont, et qui a monté son association de reconstitution historique. Donc voilà, donc ça c'était pour Histoire, c'était pour la petite pub, puisque c'est quand même très intéressant et qu'on reste dans le même domaine que l'épisode qu'on vient de voir, hein, puisqu'il était très axé sur l'aspect historique. Donc autant en parler, voilà, hein, puis ainsi que le petit documentaire que je vais pondre d'ici quelques temps. Donc merci encore à toi, hein, Zoulou, pour la bite. Hein. Garde les testicouilles, j'en ai pas forcément besoin. Hein. Ou alors tu me les donneras à Noël, hein, tu me donneras ta guirlande et tes boules, hein, comme ça, hein. Je pourrais habiller mon sapin, hein, voilà. Oui, bah oui, je suis complètement taré aussi. Ouais, c'est oui. Donc merci encore à toi, Sky, hein, vraiment pour le travail que tu fais sur ces séries livres audio. Parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, hein, bien entendu. Quoi, 50? Oui, bah oui, Sky, oui, 50 Twitch, Sky, oui, 50 Twitch. C'est une mamie de Twitch, Sky, hein. Bientôt le déambulateur virtuel, hein, attention, hein. On n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas le progrès. Du coup, eh bien, je vais pas vous retenir plus longtemps, je rappelle juste la date, enfin, trois points précis, hein, bien sûr. Donc demain, après-demain, Yennefer Story The Witcher 3, donc c'est en deux parties. C'est le donc The Witcher 3 vu du point de vue de Yennefer. Le 11 août, à partir de 19h, c'est donc un samedi, hein, le 11 août, le troisième épisode de Assassin's Creed pour ceux qui sont intéressés. Merci encore à tous de m'avoir suivi. C'était Elser pour le second épisode du livre audio Assassin's Creed. Bye bye à tous. Je remets la petite intro outro.
Yeah.